par contre, faire un vrai cinéma, comme ça j'ai un vrai alibi. Ça lag tellement que. Comment faire un cinéma? J'arrive même plus à. Ah, mais je Ah, Nini, elle a réussi à rentrer. Ouais, je suis au côté du truc. Ah, j'ai vu le mec à la panière dépasser. Je vois pas l'invasion par contre. Moi, je c'était. Ils sont où les méchants? C'était sous la banque. Il y en a sous plus. La banque sous oui, la... Mais en fait, c'était pas sous la banque, ils sont tombés comme des cons. Ils sont tombés. Sous l'océan. Au niveau de ah non Brass, tu arrêtes. Le jeu est bien mieux. Tu nous as rejoint. Brass, tu arrêtes. Eh, en vrai, je suis pas un putain de sniper. Brass, t'es vraiment un connard. Mais tu sais que, mais Acrux, jeu d'acteur sur 20, il tirait des flèches sur lui-même en mode, eh, vous avez vu? Dans une technique comme ça, tu vois, tu fais ça en l'air et pouf, elle tombe. Regarde, tu vas voir, je prends une flèche dans la gueule. Du coup, il y a des fois où je tirais pas dessus et je suis en l'air de rire parce que je ne voyais pas. Raz, tu vois mon stream, je suppose. Ouais. Ouais. Non. Je suis sûr que je suis invisible en plus. Vas-y. Je suis invisible en plus. Ah oh, t'es mon pote. Toi, moi. Arrête. Pourquoi j'ai rien fait? Il m'a cassé les couilles pendant toute l'expédition, il le mérite. J'ai fait exprès de pas tuer, t'es un forceur. J'ai récupéré un pantalon par contre. Récupère ton stuff et battons cette immigration. Par contre, du coup, ils sont où les autres? Attends. Mais reviens. Ah, ils sont là, ils sont à côté de chez Tu vas vraiment me buter là. À côté de chez Yuna. Ok. Attends, reprends ton pantalon au moins. Ça suffira, merci. T'as 17 ans, t'es pas censé te balader sans pantalon quoi. Ça lag tellement, mais c'est fou. Oh putain. Bon, là, Yuna, c'est pas ma faute. Il s'est passé quoi là? C'est à côté de chez Yuna. J'ai voulu m'enfuir. La fuite. T'as pris des dégâts de. J'ai voulu m'enfuir, en gros, je me cramais. Il manque une shulker aussi. Je cramais, du coup, je me suis dit, bah, je vais aller dans l'eau. Ils sont devant notre centre. Je vais aller dans l'eau. C'est tout ce que tu mérites. Ça a bugué, je me suis écrasé contre un mur. C'est tout ce que tu mérites. Bah, yes. Mais bien joué. Quelqu'un peut m'aider à retrouver mes affaires, il y avait tu la perche de but. Je sais pas où t'es. Je pense que c'est dans la deuxième faille pour aller chez Elliot. Je suis pas sûr de cette affirmation. Aussi. Mais comment t'as fait pour... Ouais, c'est bon, j'ai pas mes affaires. Je te l'ai dit, j'ai voulu m'enfuir en volant. T'es où, premier degré? Mais la faille pour aller vers chez Ignote. Mais je sais pas où c'est chez Ignote. Ah, mais vous craignez, les mecs. Moi, je sais où c'est chez Ignote. Ah, ouais, là. Ah, ouais, c'est bon, je te vois. Vas-y, attends, j'ai récupéré ses affaires, toi. Faire ma file que je suis allé une seule fois pour aider Ignote à sortir et depuis, je suis jamais retourné. Allez, une menthe. Ah, mais arrête. La monture, elle est dans les champs, dans les champs. Putain, je suis un putain de sniper, c'est incroyable. J'étais sur les falaises, je faisais le tour en mode dès que tu voyais une flèche, j'allais de l'autre côté. Tu passes devant moi quand je tire. Mais tu sais que j'ai déjà dit qu'il faut pas ruiner les expéditions, vous êtes relou. Bah c'est bon, c'était drôle. Bah Nini a failli mourir. Non mais j'ai fait le poison, je peux pas tuer, du coup c'est pour ça que je savais qu'elle est pas morte. Ouais mais elle était en train de crever. Ouais mais c'est pas exprès, je lui ai envoyé une flèche en plus. Mais c'était vraiment pas volontaire par contre. De quoi? Je lui ai envoyé quand elle était en train du poison en fait, ben je lui ai envoyé une flèche sans faire exprès. Allez, allons défendre. Bah il va crever le bison, merde. Bison futé. Mais en fait il prend pas de dégâts parce qu'on arrive pas. Tiens, je tape avec la flèche. Et pourtant il crame donc il devrait prendre des dégâts. Déjà. Voilà, je l'ai tapé avec la flèche. C'est moi qui ai récupéré. J'ai tapé avec la flèche. Du coup t'as récupéré des flèches de slowness. Ouais, moi j'ai récupéré des invisibilités. Ah ouais, j'en ai une. Un flèche d'invisibilité, une minute. Ouais, parce que vraiment, mec, je te jure que t'étais bigaté à un moment. T'avais ton inventaire ouvert, je tire et tu fais un strafe à droite. Voilà. On a victoire. J'étais qu'un level 1 de raid donc. Apparemment, ouais, j'ai récupéré une carte. Ah, merci. Regarde là-dedans aussi. Ah, y'a plein de flèches. Ça fait pas des ventes. C'est marrant. Mais t'as vu, y'a des flèches sympas, genre ils donnent force et tout, y'a des flèches de merde. Déjà, j'ai par les champs. Parce que... Ouais, déjà passé par les champs. Ils ont tout défoncé. Ça va. Raid victory, ouh. On est trop fort, les gens. Ouh. Bon, je remets les potions parce que j'ai pris des potions pour rien finalement. Bon, du coup, j'ai pu faire plein de cartes. Par contre, vraiment, j'aurais dû. Franchement, je reviens pas à mon niveau à l'arc, c'est un banger. Hein. Alors que ça laguait. Ouais, de ouf par contre. À l'arc, ça la kiss.
Bon, les deux brebis. Bon, les deux brebis. Oh, fuck. Oh, pitié, fuck. Alors, la numéro 36, c'est celle qui est derrière. Attention, il est derrière toi. L'hôtel. Quoi? Des vents, c'est donc celle-là. Putain, elle a même pas réagi, je l'ai tapé, elle réagit même pas. Oh non, j'ai pris zéro dégâts, non. Ah, j'ai quelqu'un sait où. Ah ouais, non, je suis con. J'allais dire quelqu'un sait où j'ai foutu mes shulkers, elles sont devant la banque en fait. Dans ton cul, dans la banque. Complètement débile quoi. Hop, j'ai... En plus, j'ai volé, hop, j'ai volé les trois. Mec. Non. Pas sûr que non. Si. J'ai un peu de viande crue si tu veux. Oh, j'ai envie de faire un truc. Voilà, la banque. Ouais. Attends, vas-y, je remets tes shulkers avant de partir. Bah, en vrai, tu peux aller vendre hein, du coup. Oui, mais je n'ai pas assez pour vendre. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, j'arrive bientôt, là. Je m'occupe de mes champs et j'arrive. Il s'occupe de ses champs et il arrive. Comme Didier. Didier Deschamps ? Ouais. Bien. J'aime bien la vanne, en vrai, franchement. Tu t'as dit bien. Bien. Oh, t'étais vraiment pressé, genre bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, Didier Deschamps, ouais, bien. Ouais, ouais, bien. Ouais, j'ai l'air. Ouais, Didier Deschamps. Bien. Moi je t'ai pas volé une... Ouais, c'est que... avec l'équipe de France, oh, c'est la pire imitation qui est des gens. Alors, j'ai pensé à sélectionner Adil Rami. Ah ouais. Oh, ça c'est Pixel, ça. J'ai pensé à sélectionner Adil Rami, mais malheureusement, ses performances au cours de la saison régulière et de l'intersaison n'étaient pas... C'est pas le gars qui est champion du monde sans avoir joué. Exactement. Mais aujourd'hui, on a un déficit en termes de défenseurs qu'il faut forcément combler par l'effectif, et donc il faut savoir faire des choix. Il y a des sacrifices qui s'imposent, quoi. C'est vrai qu'il parle en articulant extrêmement fort, et puis il fait comme ça, tu vois, il parle doucement. Ouais, il faut mettre la mâchoire en avant, en fait. Ouais, c'est ça. Tu mets la mâchoire en avant, si et tu... puis tu parles un petit peu comme ça, quoi. Si tu mets un peu la mâchoire en avant, comme ça, tu vois, tu obtiens non seulement... l'accent, mais en plus la petite intonation qui va avec. Tu le fais trop bien, c'est trop grave. Je suis un bon imitateur, hein, mais qu'est-ce que tu veux. J'ai loupé ma vocation. Je l'ai pas suffisamment entendu pour pouvoir l'imiter, mais en vrai, je suis un bon imitateur. C'est vraiment ça notre rôle, c'est genre pixel vraiment. Je connais plus l'imitation de Nicolas Canteloup que la vraie voix. Donc... Ou Nicolas Canteloup. Ouais, Nicolas non plus, c'est même pas imité en plus, il est nu. C'est ça. Parce que oui, c'est ce que fait Nimus et Pixel, effectivement. Donc là, Cantelou, il fait de la merde. Ouais, je pourrais le mettre au chômage en vrai. C'est vraiment une merde. Tu pourrais le mettre au chômage.